tout le monde, c'est Pierre de kevinlessimo.fr. Bon, aujourd'hui je suis à Dublin avec des potes pour le week-end. Et mais comme d'hab, je vais essayer de faire un petit barbier rapido, on va voir, juste faire rasage. Donc on vient d'en trouver un là dans la rue. On va aller voir si c'est possible de se raser. Ça a l'air bien sympa, ça a l'air assez typique. Yes, attends, il y a un monsieur qui arrive. Tu peux filmer quand il a chute. Merci beaucoup, monsieur. That's good. C'est où?
C'est trop bien. Non, c'est bien relaxant et il va bien doucement. Ça, le coup de chou, il coupe super bien. Ça, ça tire pas du tout. C'est vraiment la folie, quoi. Top, top, top. Le salon, il est trop, trop sympa. C'est trop beau, c'est trop bien qu'on soit, qu'on ait trouvé ça dès le premier barbeur où on rentre. Parfait. Les gestes sont trop précis, tu sais. Ça se voit à fond, il change de côté, de truc. Un vrai maître. French beers. For a black coffee, it's tough. It's not bad. Less than a euro. You've been to other barber shops? No, just here. Yeah, first one. Why did you come here? I found you on the Google Map. Yeah, well, like, okay. And I was looking for a barber with a straight trouser. Okay. Because in France, you know, it's not allowed. It's in a cafe, like. They say that. They have to use the straight trouser, but with double edge blades. Yeah, I have them. Yeah, but It's not the same. No, it's too sharp. Yeah, it's too sharp. You're better with this. First time I got shaved with this, it's really good. Yeah, and we use French razors as well. Like it's good. Different. They're small and they're solid. Okay. You use it for cutting the hair. Ah, yeah, too. French. Yes. The French style. Hold on. Yeah, that's good. C'est trop bien de se faire raser au coupe-chou, ça n'a rien à voir avec la chevette, c'est vraiment plus doux, plus précis, ça gratte, ça attire moins, c'est un peu moins agressif moi je trouve, c'est trop bien. En plus il connaît son boulot quoi, ça y a pas à chier, il connaît son taf. Et il m'a fait un rasage de fou. Il passait sa main, j'ai jamais été aussi bien rasé de ma vie. Là je passe ma main à contrepoil, il n'y a rien quoi. C'est tout lisse, c'est une peau de bébé. T'as vu, il a dit que c'était tough la French Beard. En même temps j'ai une mâchoire. Did you see that? Oh, you missed it. Yes, it's a
Ist so It's nice after the shave. Ça détend. Massage à la fin. Do you want some cream or? No, it's good. No? It's good like this. Yeah. Thank you. Another calendar, it's nice, I think it's good. And that one, just for you. Thank you, I'm sorry. I had another one. This is where we, I'm just trying to sharpen up my razors. I sharpen my razors. And do you have a favorite one? They're all bits and pieces we collect.
You know, here's a particularly nice one. You'll never see the likes again. It's an El Dwyer? Yes, and it's old. Oh. Incredible. What? Oh, and this way? Yeah, amazing. I've never seen one like this before. I had a calendar with me on it, but I can't see it. Gone. So nice. Look at tout ça. Tous ces blaireaux, les vieilles tourneuses. Oh, here we are. We found it. That's me with the hair dryer. See the hair dryer? Oh, yes. Out there. Yeah, the same one. 1965. Oh. Intercontinental Hotel, Dublin. And when did you open this barbershop? Oh, this has been here since 1947. Okay. It's original. I just took over 20 years ago. Oh, okay. I knew the man here. Keep that one. Thank you. Awesome. Lots of it. The customer before you was French, from Paris. Oh, really? Yeah. Gave me a terrific haircut, you want to see it? Brilliant. Because you've good hair. Yes. You've good hair. Oh, thank you. Thank you. Meilleur barbeur de ma ville. Alors là, c'était trop bien. Ça y est, j'ai la patate. Bon, on va boire une petite bière maintenant, petite Guinness. C'est sûr. Ce qui vient de se passer, ça vaut de l'or. Bon les mecs, encore une pure expérience. Mais alors là, trop bien quoi. Je suis en week-end à Dublin avec des potes et j'avais pas vraiment prévu d'aller chez le barbeur. Et puis vu que, enfin voilà, c'est samedi après-midi, on est passé devant. Je me suis dit, allez, on descend, on va bien voir comment c'est. Et trop de chance quoi. Déjà on arrive, il n'y avait pas grand monde, il a pu me prendre direct. Je tombe bien sûr sur le patron, il m'a donné une carte depuis 1960 et quelques. Enfin, abusé en plus, je pense que je suis vraiment trop bien tombé. Il avait un pur geste. Se faire raser au coupe-chou, c'est une super expérience. C'est la première fois que je me fais raser avec un coupe-chou, à chaque fois c'était avec une chavette. Mais trop bien, en plus il m'a fait il a fait plusieurs passes, mais il a pas fait plusieurs passes à l'arrache où, enfin voilà, je te fais une passe, je te fais une autre passe, je te rase. Là c'était vraiment à chaque fois, il venait vérifier dans le sens contraire du poil pour voir si ça dépassait encore. Et là j'ai une peau de bébé quoi, ça fait super longtemps que j'ai pas eu une peau comme ça. Enfin voilà, vraiment une expérience de fou. Après tout le petit massage là qu'il m'a fait au tonique sur les cheveux et tout, ça c'était la vraiment la folie aussi. Hop, je suis dans le flow, je suis dans le trafic. Après voilà, c'était vraiment une super expérience, c'était trop bien. C'était un poil cher, c'était 52€. Donc voilà, pour un rasage et tout. Je pense que le petit massage et tout, c'était en plus. Vous avez reconnu Polo du petit vlog de cet été en juillet. Non mais c'était trop bien, merci Polo de m'avoir filmé. Le meilleur caméraman du monde. El mejor cameramano del mundo. Là on va mettre du fric au parc maître parce qu'on avait mis du fric jusqu'à 14h30 et là il est je sais pas quelle heure, j'ai pas ma montre. Et demain on va visiter un château, donc je vous ferai peut-être des petits plans que je mettrai après. Je vais voir si j'ai encore assez de caméras. En tout cas Dublin, bien sympa, c'est vraiment cool. J'ai fait un an d'Erasmus en Écosse, ça à Glasgow, ça ressemble vraiment, mais vraiment top. Donc voilà, on se voit peut-être demain pour les plans du château. Allez, ciao les mecs, je vous laisse là.
aussi, hein, qui veut pas être filmé, qui ne veut pas être filmé. On a besoin un petit peu de ressources financières pour faire des travaux de rénovation sur le mois de décembre. C'est pour ça qu'au mois de novembre, on a dit à créer une communauté pour venir visiter la propriété. Bon, c'est un château qui a 400 ans, c'est un château qui est depuis 17 générations dans la région. C'est un château qu'on a eu beaucoup de mal, moi et ma femme, à obtenir, hein, parce qu'il y avait une fratrie qui était très envieuse de ce genre de bien. Donc bon, aujourd'hui on est plutôt content. Ce qu'on voit pas ici en extérieur, c'est la piscine sur le toit, avec 4 mini bars et 7 salles de bain. La chambre se trouve, notre chambre parentale se trouve sur la tour de droite que vous pouvez voir juste ici. C'est une chambre qui est sur 4 étages et au dernier étage on peut avoir un terrain de tennis, hein, qui. On est dans un petit magasin, enfin un petit magasin, c'est assez grand. Avocat, ça s'appelle, c'est à côté du château en fait. Et il y a plein de cosmétiques, et il y a des cosmétiques, mais bien sûr pour rasage et pour la barbe. Ça, c'est du savon à barbe. Alors, la marque, c'est The Handmade Soap. Apparemment, c'est fait à la main en Irlande. Et surtout, c'est à 99,7% d'ingrédients naturels. Ça sent super bon. Dommage que je puisse pas en ramener, j'ai juste un bagage cabine. Il y a aftershave aussi. Et j'ai vu qu'il y avait de l'huile à barbe aussi. Ils existent comme ça ou en bleu? Attention monsieur. Il est top, il est pas mal, non? Alors il y a une glace là. Le mec il est parfait, hein. Non, il tombe bien là. Parfait. J'ai la capuche derrière. Ouais, c'est bon. Nouveau manteau.